Ladies, gentlemen et compagnie, bienvenue dans mon univers Roble Rouge pour vous servir. Objectif 365, jour numéro 12, tentative numéro 7. Il me semble j'ai du mal à y arriver aujourd'hui. J'étais sur le mode de jeu. Comment il s'appelle le mode de jeu? Haricot, entraînement, quelque chose dans le genre. J'ai fait quelques games dessus. Le mode de jeu ne diffère pas vraiment des. Du mode de jeu normal, sauf que c'est toujours les mêmes époques qui viennent, donc j'étais assez lassé, donc je suis parti sur un mode totalement normal, banal, le tout premier mode. Et on va aller chercher la couronne dessus, on va essayer de grainer la victoire. Et croiser les doigts pour moi, croiser les doigts pour la force, pour l'émission, pour l'objectif 365. Cette épreuve, normalement, il n'y a pas trop de soucis pour la passer. Est-ce que c'était pas un peu trop tard? Ou si, c'était trop tard, mais pour l'instant, il n'y a pas de qualifié. Tout va bien se passer. On va aller chercher. Ok, ça commence à se qualifier. Mais on est sur la dernière ligne droite. Non, franchement, pas de soucis sur celle. Aucun souci sur cette épreuve. Comme on a mis d'habitude, je suis vraiment trop bon. Le karma qui me frappe en plein dans les couilles. J'ai l'impression d'être tombé 10 000 fois et que les gens ne se qualifient pas quand même. J'arrive quand même à prendre la 9e place en étant tombé, je sais pas, 5-6 fois. Donc le niveau est vraiment faible sur ce mode de jeu et ça me rassure. Prochaine épreuve, rendez-vous, on se donne. Ok, deuxième épreuve, une de mes épreuves favorites. J'aime beaucoup où il y a le mucus qui monte, les épreuves de cause. Bon, sur la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus, avec le trio, j'ai eu beaucoup de mal avec Yannick, ça a été sur les dernières secondes. Mais c'est eux qui me mettaient la pression, donc ça va pas, on va aller directement. Hop, on fait l'esquive, tac. Ok. Oh le pauvre. Oh, j'étais obligé de craindre. Oh putain, ils font chier, c'est con à bloquer. Barrez-vous, barrez-vous. Laissez passer le boss. Hop. Là, on esquive, on monte. J'ai un peu de retard, je fais partie du groupe des derniers, des survivants. Mais je vais remonter très très vite. Okay. Non. Oh, pour eux, j'avais pas vu la barre, j'ai eu énormément de chance dans mon timing. Allez hop. Ça passe avec un petit roulat de totalement maîtrisé. Attention les ventilateurs, la barre toujours à gauche. Non, on se prend un coup, c'est rien, on se relève. Ça me touche, mais je reste debout. Ah, ça passe, parfait. Ah, toujours pas de qualifié. Qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il y en a un qui est sur les trucs et qui fait tomber? Non, j'ai pas l'impression. Bah finalement j'étais très en retard, j'avais mal commencé, mais je vais aller chercher la première position tranquillement, j'ai bien l'impression. Et oui, rendez-vous à la prochaine épreuve. Et c'est l'heure de la finale, on n'est plus que 5 finalement, il n'y a que 5 survivants à l'épreuve d'avant. Et il y a les 4 là qui s'amusaient à graber beaucoup de monde sur les derniers instants de l'ascension, vous connaissez où il y a les tapis roulants. Les 4, et du coup, est-ce qu'ils vont continuer leur combat entre eux ou est-ce qu'ils vont me casser les couilles? Connaissent, va savoir, je ne sais pas, mais j'espère que je vais être assez tranquille parce que 1 contre 4 ça va être complicados. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va falloir que je fasse gaffe, j'ai l'impression que c'est un peu des trollers, des emmerdeurs. Ah, il y a déjà un éliminé? Oh, très bien. Ok, je vais m'éloigner le plus possible de. Ok, on va jouer la fiotte aujourd'hui. Ils se battent, ils se battent, ils se battent, ça combat. Concentration, focus. Ok, c'est du 1 contre 1. Il y a bien un moment où il va tomber avec ces conneries, non? Je
Je sais pas si j'essaye de le grab, mais je pense qu'il y a plus l'habitude de moi de personne, donc il va me manger si j'essaye de l'attaquer. Je sais pas comment la jouer. Va falloir qu'il fasse une erreur avant que j'en fasse une en fait. Allez, tombe, 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 tombe. Let's go! La validation du jour numéro 12 après une finale très angoissante et très cachée dans mon coin comme ça, reclus en PLS, en mode laissez-moi tranquille. Mais le jour 12 est validé. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine et bisous. Waouh! Cette vidéo était extraordinaire. N'attends pas plus pour mettre un j'aime et lâcher ton plus beau commentaire. Si tu en veux plus, et je sais que tu en veux plus, abonne-toi en cliquant sur le singe et active la cloche pour ne rien rater des futures sorties. Grâce à ça, tu as gagné tout mon amour. Et sache que rien n'est plus beau que l'amour.